y a si longtemps, tellement longtemps, je me souviens d'avoir échoué sur cette île, ce bateau ensablé, écumant de vagues d'iode, parcourant cette roche, et la rencontre de ce monstre en osselé qui me fascinait. Combien de temps je suis ici? Ma mémoire, elle se balance au pied de cet arbre, aux larmes de cristal. Espace de temps, envie de partir à l'aventure, à sa recherche. Il paraît que le nouveau monde de l'autre côté ressemble à ça. Ici, il y a des cathédrales de bateaux qui transpercent les nuages. Ce monstre osselé, il est toujours là, avec moi. Nous sommes devenus corps. Il est temps de partir à la recherche de sauvages en oranger. Il fallait que je rencontre l'incroyable professeur Prout. Pour le début de mon voyage, le sténopée, faire rentrer la lumière quelques secondes pour le garder un tout petit peu avec moi dans ce voyage. Qu'il me raconte ses machines au nom archéologique pour m'aider à voyager. Ses formules magiques et son incroyable machine à éclair pour m'aider à traverser toutes les épreuves de ce périple. Faire le tour de la Terre, le tour de soi, se louper, se relouper. Prendre la route, tracer mes pieds de petits cailloux, de mes pieds, accompagnés de cercles de cuivre, en ombre, ombrant mon chemin. Le voyage, il va être long. Grimper, s'agripper, s'accrocher, pour avancer, escalader l'escalier colimaçon, gravir le sommet pour tournoyer. Tourner la manivelle, des petits bouchons bouchonnés et piquants, comme mes flèches cactus, s'accrocher encore à ces coupelles de cuivre éoliennes où la brise du vent les fait tournoyer pour avancer dans ce voyage. La fin est proche, ultime. Il faut me coller à cette paroi, ce tube de verre pour me redonner la force à travers ce faisceau blanc, lumineux, ondulant. Ça y est. Je l'aperçois, pétante, éclatante, avec les rayons du soleil, dansant avec le vent, le bruit de ses petites boules au bout de ses tiges sonne comme le sifflement des cathédrales de bateaux.